Dès les premiers jours de tournage de Pékin Express, Stéphane Rothenberg a souffert de saignements de nez. L'animateur de M6 est revenu sur les conditions particulières de cette nouvelle saison. À quelques heures du lancement de la 17e saison de Pékin Express sur M6, le présentateur emblématique du programme a révélé des éléments sur l'itinéraire qu'ont emprunté 8 binômes l'été dernier. Si le principe ne change pas, près de 10 000 km à parcourir, 1 euro par personne et par jour, un nouveau tracé a été imaginé par Stéphane Rothenberg et ses équipes. Dans cette édition, intitulée Le choix secret, 3 pays ont été visités, la Bolivie, le Paraguay et la route sud du Brésil. Le premier du trio a la particularité d'avoir la capitale la plus haute du monde. Et si Esti bien évidemment à la Paz qu'ont été entraînés les 16 candidats, parfois à bout de souffle. Pékin Express, le choix secret, cette difficulté rencontrée par Stéphane Rothenberg qui ne se verra pas à l'écran. Les duos ont donc dû apprendre à vivre, à certains moments, avec 60% de leur capacité respiratoire. En effet, des endroits incontournables, tels que l'Altiplano, culmine à 4200 mètres de hauteur. Voilà pourquoi l'animateur de 55 ans a lui aussi été éprouvé. La Bolivie est absolument magique, mais si est-ce un pays qui est en permanence en altitude, informait-il hier matin sur France Info. C'était très particulier pour nous tous. Parfois, j'avais des saignements de nez pendant les plateaux. Si est-ce un peu désagréable et, surtout, difficile à imposer ça aux téléspectateurs, fallait reprendre. Explique celui qui tient à garder son professionnalisme jusqu'au bout. Il avoue que passer par une telle région dès le départ n'est pas évident quand on fait un jeu d'action. Mais le quinquagénaire garde en tête la beauté des paysages boliviens et en oublie presque ses épistaxis. Un gros imprévu sur le tournage de Pékin Express 2023. L'aventure a été chamboulée par un événement lors de la finale. Une tempête a joué les troubles faits alors que les finalistes devaient absolument tout donner pour remporter le plus d'argent possible dans la dernière ligne droite. Par conséquent, les caméras ne pouvaient pas fonctionner, a révélé Stéphane Rothenberg. La production a donc dû repenser plusieurs épreuves in extremis. Beaucoup de travail de réflexion et coordination en un rien de temps. À lire aussi Pékin Express 2023, une épreuve mythique fera son grand retour cette saison.